bas et enfin, toi, les dés sont jetés. Il n'est plus possible de fuir à présent. J'en ai pas la moindre envie. Personne n'arrivera à me persuader que tu possèdes la meilleure méthode de combat. Tu n'es pas invincible, que je sache. Je l'ai prouvé. Pendant des années, je me suis battu et je suis toujours le plus fort. Aujourd'hui, tout est fini pour toi. Pour qui te prends-tu à la fin? Je n'ai pas peur de toi et je suis prêt à me battre pour te montrer que je suis pas un lâche. Alors, ne perdons pas de temps en vaine discussion. Alors, toujours aussi fier? En as-tu assez? Je veux que tu te relèves. Le serpent va mourir. Vous avez besoin d'une pierre? Vous vous êtes servi de moi. Vous m'avez pris pour un idiot. Il n'en est plus question à présent. Je connais toute l'histoire. On ne peut pas dire que tu manques de courage. Et pourtant, je vais te tuer. Ne le touche pas. Ce n'est pas mon élève. Fiche-lui la paix. C'est exact. Je ne suis pas son élève. Mais il est mon maître. Vos histoires de famille ne me regardent pas et je m'en moque. La seule chose qui m'intéresse, c'est de trouver ceux qui pratiquent le combat du serpent et les supprimer jusqu'au dernier. Uniquement par plaisir? Maître, je crois que cet homme est fou. Non, va-t'en, tu ne peux pas battre cet homme. Tu voudrais que je t'abandonne? Avec cette énergumène, ordure! Inconscient, imbécile, ah, tu me provoques. Si tu me cherchais, tu m'as trouvé. Tu penses que tu vas gagner, mais fais attention. Aïe! Absolument pas celle du serpent. Comment l'appelles-tu? Le chat.